Salut YouTube, t'es sur la caverne d'Immersive TV, let's go, on va à la chasse au trésor avec Coolbet qui rit quand il pète. Salut Coolbet! Ouais, salut, ouais! Ouais, salut, ça va? Ouais! Allez, let's go! Attends, si on montrait à YouTube un peu. Merci. Voilà YouTube, la ferme de métal, elle produit du fer. Hein. Oh la vache, Coolbet, t'as vu? Ouais, on peut la mettre en pause? Non. Ah voilà, t'as posté un lien. Merci Zeyer pour ton follow. Merci beaucoup, bienvenue, bienvenue Zeyer, Zeyer, merci beaucoup, bienvenue. T3. J'ai que celui-là donc je l'ai mis. On n'a pas le droit de poster de lien sans l'autorisation d'un modo Timout. Merci. Alors on va à la chasse au trésor avec Kouleba. Moi je le suis, j'ai l'épée du cul donc tout va bien se passer les gars. J'ai plus savoir par contre hein, par le laser, on va voir. Bah pourquoi on peut que se rapprocher non? Ouais mais je veux dire on verra pas si on est en bon axe. Est-ce que tu peux mettre un lien? Non, il faut passer par un modérateur. Est-ce qu'il y a un modérateur ce soir? Je crois pas. Man. Putain, tu casses les blocs par deux? C'est quoi l'enchante qui permet de faire ça? Efficacité 4. Waouh! Salut, tu as pris de la drogue avec ton micro. Comment ça, Zeyer? De quoi parles-tu? Et non, la drogue, j'ai arrêté. T'es sûr de la direction? Bah, on est au nord, donc faut aller plein sud. Sur le principe, j'avoue que c'est incollable. Hein. Et t'as pris de la... T'as pris un briquet? Ouais. Hey, micro 25 bits, merci beaucoup. Ah, pousse pas. Excuse-moi. Merci pour les bits. Qu'est-ce que tu racontes, Timout? Tu es cassé derrière moi ou pas? Ah ouais? T'es sûr de ton plan? Parce qu'il sait qu'il faut qu'on revienne, hein? Non mais je veux dire, les blocs devant moi, là. Je le sens pas. J'ai pas envie de te pousser, Coolbit. Hein. Non, tu pousses pas. Oh, bonjour. Pardon. Je suis pas rassuré déjà là. Oh, je suis pas mort. Oh, t'es tellement bas. Merci, je suis inventé niveau 4. J'ai bien aimé le cri, ça fait. Paf. T'as cassé le bloc, c'est toi ça, hein? T'as voulu. Mais non! Mais alors là, franchement, c'est pas mon genre, hein. Franchement, c'est mais alors pas du tout mon genre, quoi. Au contraire, j'ai eu peur pour toi, quoi. Ah, moi aussi? Et bah oui, toi, c'est normal, vu ce qui vient de t'arriver. Bah, j'ai surtout peur de tomber à l'œuvre, quoi.
Mon tour. Salut. Alors, comme ça, on a voulu explorer les profondeurs. Ah, mais tu parles de ça, Zayer, toi. Et c'est T3. Attention, Timout, hein. La prochaine, c'est le time-out, hein. Le ouf mal. Je suis pas sûr. Ah, attention. Oh, c'est un truc préenregistré, ça, Zayer. Ah, oui, il faut que je tape. Travail d'équipe, quoi. T'as qui voit Timout, hein. Si tu continues, Timout. Ça, tu vas te t'émout. Ah, c'est bien, au moins t'as de l'humour, quoi. Ah, je crois que Coolbat est full et du coup c'est moi qui récolte les merdes, hein. On va appeler les choses telles qu'elles sont. Ouais, je vois pas la carte changer, à mon avis. Les heures, ça marche pas. Oui, mais quand on va sortir, ça va mettre à jour le truc. Ouais. Là, on est à combien? On est à 1000? Et 8000? Est-ce qu'on fait un sort maintenant pour voir? Ouais, vas-y, ouais. Ça fait 8000 blocs, c'est pas mal, non? C'est pas mal, 8000 blocs, ouais. T'as fait un clip, Napta? Par tout seul. Le cri. Ah. Oh, je suis pas mort. Oh, t'es tellement bas. Quoi? Bien vu le clip. Non, mais rien. Rien du tout. Ah, Timout, on t'avait prévenu, hein, donc hop, voilà, à tout à l'heure, dans 10 minutes, et si dans 10 minutes ça va pas mieux, bon, on se dira à demain. Attends, pourquoi? Merde, t'es où, Coolbit? Tout droit. Tu la laisseras ou pas dans la vidéo, quoi donc, Lucas? Les rediffusions des streams sont sur la caverne, hein. Immersive TV, la caverne, c'est la chaîne secondaire, c'est pas la chaîne principale. Timout, il a pas 10 ans, non, c'est petit malin, c'est petit malin. Timout, il est parti trop tôt, quoi. C'est comme ça. Le cri qu'il a fait en même temps, Lucas, ça t'arrive? Bon, je pense qu'on crierait tous. Après, chacun crie à sa façon. Oui, encore. Tu sais, je pense que c'est normal que la carte se mette pas à jour, Coolbit. Parce qu'on est dans le Nether, on n'est pas dans le... Oui, je sais.
Quoi, je me dis qu'il n'y a pas de super loin, autant faire le maximum de route. Merci Spartacus. Ouais, c'est sûr. Ouais. Merci pour ton follow Spartacus. Bienvenue. Et on sort là ? Ouais, vas-y. Putain, mais ta pioche, quoi, elle me fait rêver. Ouais, c'est que t'as pas trop froid. Et ça peut être problématique, ça, parfois. Mais... Merde ! T'as du coup cassé le truc. Ah non, on peut pas, là ! Merde, tu peux casser tous les blocs. Oh bah d'accord. Et toi, tu peux pas avec ta pioche à la con, là ? Ah non, mais attends, je viens de taper mon dos avec. Ah, elle a abîmé tes decks, du coup, c'est moi qui pète la mienne, quoi, en gros. Non, c'est quoi le problème, là ? Ah ouais, putain. Les deux du bas. On est un poil trop haut, cool bête. Ouais, au second 10. Quoi, t'en reposes ? Ah ouais, non, c'est bon, j'ai compris. T'as ramassé les deux ? Les trois même, tu veux dire. Merde. Quoi ? T'as pas pris le briquet ? Mais non. Oh putain. Ouais. Non. Attends. Oh non, c'est parti moi. Sérieux ? Oh putain, bulle dessous, espace, quoi ? C'est quoi ce défi ? Ça pue la merde. Bulle du sous-espace. Attends, on serait tombé. C'est quoi ce défi ? Comment on fait pour voir ce qu'on vient de faire là ? Le défi, c'est JKL, L. Après, quand tu tapes, t'ouvres le chat et puis là-dessus. On a fait 7 km avec le. Oh. Ok. Oh, regarde une bébé vache. Et paf, je vais tuer ta maman. En fait, c'est un jeu de sadique Minecraft. Ok, on continue. J'ai besoin de cuir, hein, c'est pour ça que je le fais pas gratuitement. Ouais, vas-y, fais voir la map. Et tu notes. Faut noter le 412 900. On s'est même pas rapproché. 512 900, quoi. 492 12 900. Bon, on s'est même pas rapproché. Oh, on doit pas être loin. Alors attends, je fais un OK micro. J'ai pris un petit. C'est Skankunsk. Quoi ? C'est Skankunt 42. En vrai, Timut, c'est qui ? C'est quoi ? C'est quoi ? De quoi ? On le connaît ? Il est quoi, il est sur Discord ? Faut le ban aussi sur Discord, c'est ça ? Pas de problème. Hein. Oh, Poketor ! À main donnée, Poketor, 22e mois d'abonnement. Merci, Poketor. Arrête, putain. Poketor, le modérateur en or, bien entendu. Merci pour tes 22 mois d'abonnement, ça fait plaisir. Pas acheter de blocs parce que je suis en combat PVP, ben tu vas attendre un coup de bête, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi. Ça fait plaisir, merci beaucoup surtout pour tes 22 mois de sub, encore 2, et on pourra fêter les 2 ans. Merci encore pour le soutien. Seuls les assidus de South Park comprendront. Ah ouais, alors je peux pas comprendre parce que c'est vrai que South Park, j'ai de grosses lacunes. Alors comment t'as fait pour la générer cette map Coolbad du coup ? Et le cartographe ? Le PNJ ? Ouais. Ok, et donc il t'a échangé une carte, mais tu lui as demandé un emplacement en particulier ? Ah non, c'est aléatoire. D'accord.
Normalement, il te donne le plus près. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est loin? Ah, on saura une fois qu'on sera arrivé. Non mais par rapport à la map, on attend. On va savoir. Oh, il y a une... Il y en a-t-il plusieurs par map? Oui. Aucune idée. Oui, d'accord. On peut suivre, hein. Ouais, mais tu cours trop vite par rapport à moi. Non. Quoi, ma vitesse? Ouais, mais je sais pas, tu sautes ou. Parce que t'appuies sur contrôle en fait, c'est pour ça, je pense. Ah non, je fais rien. Bah, si. Tu sprintes. Sprint? Ouais. Ouais, voilà. Mais moi, je sais pas pourquoi mon Minecraft il est paramétré comme ça, il faudrait que je change les touches d'ailleurs, mais pour sprinter, c'est contrôle. C'est pas très intuitif quoi. C'est des arbres comme ça qu'il nous faut. Matza First, merci pour ton follow. Salut, bienvenue, comment tu vas? Ouais, mais ça justement, Napta, j'aime pas. Cliquer deux fois rapidement sur la touche pour avancer, ça me... C'est encore plus contre-intuitif pour moi que appuyer sur contrôle pour courir. Tu vas y arriver, Oufman, t'inquiète. Ça, c'est parce que, tu vois... Tout à l'heure, tu t'es forcé à faire des fautes. Eh ben maintenant, regarde. T'arrives plus à écrire. C'est comme Pierre et le Loup. Un village. Villagers. Coucou les villages. Salut les mecs. Prends-toi un lit. Hein? Prends-toi un lit. S'il te plaît. Pourquoi? C'est pour toi, hein. Pourquoi il veut prendre un lit? Pas trop un lit, toi, pour moi. Enfin. Tu fais bien comme tu veux, hein. Parce qu'une fois arrivé, tu pourras refaire tout le parcours si tu meurs? Non. Vaut mieux qu'on ait un lit là-bas. Et comment on rentre chez nous si. À pied. Oh putain, je la sens pas cette histoire. Il y a un cheval. On aurait dû prendre des selles. Où, man? Chez le forgeron, j'ai trouvé une selle. Bottes et épée en fer, on s'en fout, non? Oh, ça... oh attends, putain, c'est stylé en fait, c'est bien, bien pensé ça, je trouve. Les deux petites forges avec la lave ici, comme ça, pour faire genre forgeron, quoi. Bien pensé, je trouve. Faudrait que je m'en souvienne de ça. Est-ce que toi et tes acolytes vont jouer ou avaient l'intention de jouer à Satisfactory? Coolba m'en a parlé, ouais. Et c'est vrai qu'on y avait déjà joué à Satisfactory, mais qu'il y a eu des mises à jour. Donc il m'a dit ouais, il faudrait jouer parce que Coolba quand en fait on est pas en stream et tout, il parle marrant comme ça Coolba en fait, c'est marrant quoi. Et alors moi je lui ai dit bah écoute pourquoi pas mais quand, c'est ça le truc surtout, c'est que bon bah là les gars voilà, il y a Genesis qui arrive quoi. T'es où Coolbit? L'église.
Minecraft est un jeu revendiqué chrétien, catholique. Je sais pas où est l'église. C'est ça. C'est pas loin. Oh. Ah, je te vois, je te vois. Un cheval. Je te vois. Tu me vois, tu me vois. Ah, t'es là. Ah, mais d'accord, c'est pas une église, c'est un genre de lieu de culte, quoi. Ah, une église, quoi. La question, c'est quand. Hein ? T'as une chapelle ? Ouais, une chapelle, j'aime bien, ouais. Allez, t'es pêché, là, il va faire nuit en plus. Ah, bonsoir ! Oh, bonsoir. Putain ! Oh ! On crie pas comme ça ! Il est là ! Vous le saoulez ? Ouais. Je me sens battre coup de batte 2 secondes ? Bien sûr. Genre vraiment pas longtemps. Ouais, ouais. Merci, j'arrive. Allô ? Ah, il l'a mute. Ok, d'accord. Il l'a switch, pardon. Salut, Léoji. Et donc, ouais, pourquoi pas. Mais le truc, c'est que ça, c'est que c'est quand, tu vois. Genre, parce qu'en plus, bon, Satisfactory, ça prend du temps. C'était 4 Satisfactory, je suis chaud. On pourrait... Jusqu'à combien on peut jouer à Satisfactory ? Est-ce qu'on peut y jouer genre à 4 ? Si on peut jouer à 4, go ! Est-ce qu'il faut que... Est-ce qu'il faut qu'il y ait... un serveur genre qui soit loué, il faut faire comment? Oh Madgun, salut, coucou, 10e mois d'abonnement Madgun, merci beaucoup. Alors vous savez que les subs c'est hyper important parce que moi en gros c'est ce qui me permet de survivre et de nourrir Vixi quoi, hein, voilà. Dites-vous que si vous vous abonnez, vous nourrissez Vixi. Bonjour. Ce qui est quand même important, salut. Donc merci en tout cas beaucoup Madgun pour ton heureux sub pour les 10e mois. Que deux avant l'année, ça fait plaisir. Et donc voilà, c'est un peu le sub si vous voulez, c'est un petit peu... Putain, t'es où ? Ah, t'as pas suivi encore. Mais mec, je t'enlève les zombies qui te poursuivent, tout le tralala. Ah bah, tu cours. Je cours. Oh, putain. Je vais me faire défoncer par une sorcière, là. C'est une sorcière. Donc merci infiniment, vous savez à quel point c'est la plus belle des formes de soutien, voilà. En plus de votre présence, bien sûr. D'abord votre présence et après éventuellement l'abonnement. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Il faut qu'il y ait un host. Moi je peux hoster, hein. On a la fibre ici, donc on peut hoster tout ce que vous voulez. Maintenant Satisfactory, je pense pas qu'en une soirée... Ah non, c'est pas possible. On ait le temps de tout voir et entre Minecraft, machin, tout ça... Mais sur le papier, le concept me branche carrément. Tu vas trop vite, man. Bah, ça fait que courir. Putain, mais je sais pas où t'es passé. Puis les squelettes. Mais après, là, t'es passé où? T'as dû passer là. Aïe. T'as grimpé une petite colline? Ah, t'es là. Aïe. Aïe. Te fais pas buter, hein. Ok, stop, on a, je peux y aller. Cours, Forest, cours! Des gens qui jouent à 5, d'accord. 4 maxi. Ouais? Bah, peut-être que ça a été augmenté. 4 maxi. Et c'est ça, c'est pas un jeu d'une soirée. Bon, on va voir, on en rediscute, les gars. On a les discords communs des uns et des autres, on en rediscute. On peut se faire des après-midi de temps en temps. On peut éventuellement se faire des après-midi. C'est pour ça qu'il faut voir quels sont les dispos des uns des autres. Et puis voilà. Il voulait quoi, Chita, au fait? Tiens. Ah, Fanta. Il a besoin de moi une soirée ou deux. Ah, d'accord. Super. Non, mais très bien. C'est d'accord. Régal, quoi. Toujours pareil, hein. Pas de bagarre, hein. Tu m'étonnes que je sois plus lent que toi. C'est moi qui me tape toutes tes aggros, quoi. Il court, t'en fous. T'as une flèche dans l'épaule, par contre. Je dis ça, ouais. Je dis rien. On se préfère là qu'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait, Léo? On cherche un manoir. Donc on suit une direction en espérant trouver le manoir.
Putain, y'a des flèches qui volent quoi. Oh, on a toujours pas bougé par contre. Pour le moment. C'est bon. Mais genre ça peut être ultra loin quoi. Ouais. À tout moment ce soir on dort pas à la maison en fait, c'est ça que tu me dis. Bah de toute façon on dort pas à la maison. Oui bon parce que là il fait nuit, mais je veux dire à tout moment on déco mais pas à la maison quoi. Ah bah oui c'est tout à fait ça. Quel enfer. J'aime bien cet endroit là. Ouais. C'est quoi, on pourrait presque déménager quoi. Oh. Un peu loin quand même là, non? Un peu hein. Bonne soirée Naptouillette. Bon et alors il veut faire quoi Chita du coup? Ça m'intéresse. Il veut qu'on finisse Raft. Oh putain, le jeu de l'enfer. Ils ont rajouté une fin à ce jeu. Merde. Bah, ils ont toujours la première partie. Hein. Ouais. Bichou, crame. Bien joué. Tu vas brûler. Tu t'approches pas. Ouais, tu devrais faire gaffe, t'as un squelette derrière toi. Oh merde, il pleut. Vas-y. C'est con pour la brûlure. Il y a un village. Le point n'a pas bougé quoi. Léoji, merci pour ton follow, bienvenue à toi. Et 07 qui nous donne son numéro de téléphone, merci, écoute, merci 07 87 10 63 75 n'est pas disponible pour le moment au signal, veuillez laisser votre message. N'appelez pas les gens bien sûr, hein, c'est sûrement un numéro surtaxé, sûrement le numéro du cul. Après si quelqu'un le fait, qu'il nous dise, hein, qu'il nous dise. T'aimes bien la notif? Ah merci, ça me fait plaisir ça. De toute façon le manoir sera dans un biome... aux arbres, Darkwood. Ah, ok. Je me suis. Ouais, je suis derrière. Un peu plus loin, mais je suis derrière. Après, le truc, c'est que le point peut ne pas bouger. Si la carte, quelle est la dimension de la carte en termes de blocs, quoi. En fait, c'est ça aussi. Je crois que c'est 5 ou 6 chunks, pardon. 16 chunks, je sais plus. 16 chunks. Ah oui non, si la carte est grande quand même. Tu n'es pas une arnaque. Ah bah dans ces cas-là, il faut pas donner ton numéro de téléphone en pseudo Twitch, tu vois, voir le pseudo de le numéro de téléphone de quelqu'un. Auquel cas, c'est encore plus grave, ça peut être carrément merde, je t'ai perdu. Ah non, t'es là-bas. Ça peut carrément être un délit, tu vois. Ah moi je dis ça, je dis rien après, hein, tu fais comme tu sens. En tout cas, bienvenue à toi. Merci beaucoup pour ton follow, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Toujours tant de gens qui follow quand on est sur Minecraft, donc c'est cool. Il grimpe la montagne, plus balle. T'as pas ici aussi là. Ouais, parce que j'allais te dire, j'aime bien cet endroit un peu montagneux. Prochain serveur Minecraft qu'on fait, Coolbit, c'est Jurassic Craft, je pense. Avec ah ouais, j'ai trop envie d'essayer. Avec la génération de la map en comment? En effet, ce mode pack il y a un moment. Ouais. Je sais pas si c'est toujours mis à jour par contre, je pense pas. Mais bon. Dans combien là? Je sais plus. Mais pas dans la dernière version, je crois. Ouais, en modé les versions c'est du 1.12, je pense. Il y a des modes pas pour un 15, mais bon, c'est pas grand chose. Quoi. Et donc, ouais, avec la map qui est générée en. Tu sais, avec tous les biomes super exagérés là. Oui. Pour donner un côté vraiment préhistorique à la chose. Au plus le monde est vieux, au plus il est lissé. Les montagnes et tout par l'érosion, alors qu'au plus un monde est jeune, au plus il est. Abrupt. 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 Tu dois pouvoir changer de pseudo Twitch assez facilement, je pense. Hein.
Tu tapes sur Google, changer son pseudo sur Twitch. Tu tapes ça sur Google, tu vas trouver 100%. Comment c'est ça, si le point est en haut à droite, il faut qu'on aille en bas à gauche. Oui. T'as une boussole ? Oh, des chevaux. Non. Je suis sud-ouest, quoi. Ah, sur le... Putain, t'as vu, il y a des plantes, des fleurs bizarres là-bas. Un peu bleu, chelou. Ouais. Regarde. Ouais. Est-ce que c'est nous, le point, au moins ? Oui, c'est nous. Où est-ce que tu vois le... Ouais. F3. Dessus c'est le quatrième, deuxième groupe. Ah oui, south. West. Ou c'est en bas à gauche qu'on veut aller. Ouais. Ouais, donc c'est bien ça, c'est le sud-ouest. On a la réponse de off toi. Eh, tu dois aller dans les paramètres. Quand tu cliques sur la petite image en haut à droite, tu sur ton profil, tu descends un peu et là tu peux changer ton pseudo. Et ben voilà, c'est beau ça. Moi j'aime bien quand quand quelqu'un apporte une réponse comme ça alors qu'une autre personne se posait la question. Merci beaucoup. Merci off toi pour ton follow du coup. Bienvenue. Ouf, t'es où cool bête? Ah, t'es là. En vrai la patate cuite, je trouve que c'est pas mal. Bon neige. Rendement, bon nourrissage. Il neige. Ça tient bien au corps pour le... Ah, voilà. Bon, je trouve que la patate cuite c'est pas mal. Rien. T'es déjà venu et t'aimes bien ce qu'on fait. Ah écoute, bah merci, c'est gentil, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir de lire ce genre de choses. C'est pas toujours évident. Enfin, de se dire que c'est bien, tu vois, ou que ça peut plaire, ou... C'est une éternelle remise en question. Donc quand on te dit que quelqu'un... Quand quelqu'un te dit qu'il apprécie, bah c'est toujours agréable. C'est un peu comme si ton patron, tu vois, puisque vous êtes mes patrons, forcément, d'une certaine façon, venait te dire à la fin de la journée, genre c'est bien, t'as bien bossé quoi, tu vois, voilà. Même délire. Merci Mariam, Mariam JK, pour ton follow, bienvenue. C'est dommage même. Ouais, j'entends. Ça tonne, cool bête. Il y a une grosse maison là. Oh, la grosse maison. Oh, grosse maison. Au pire, on peut dormir dans un village hein, si vraiment il est trop tard et qu'on veut déco. Non, déjà, on va regarder s'il n'y a pas une deuxième scène. Comme ça, on fait des chevaux. Ah, oui, c'est vrai que j'ai chopé une scène. Vas-y, je prends la partie gauche. Oh, ah, bah, tout est à gauche. La grosse bibliothécaire. Tu vois? C'est la bibliothécaire qui est grosse. Oh, vas-y, attends, je les veux, les étagères. Ah, mais ça fait des bouquins? Oui. Merde. Pas, après, tu les prends. Qu'est-ce que c'est que ça? Je le prends. Je sais pas ce que c'est, mais je l'ai pris. Hein. Bah, ça fait plaisir. C'est en maison, ça? J'ai jamais vu ce corset-là. Ah, tu feras attention. Ah, j'ai du... Là, ça, on en aura besoin. Ah bah voilà. Et ben voilà. Comment la maison? Y'a pas de... Ah
Ça te forge. De forge. Oula. Pas rien, c'est normal. Et pourquoi il fallait récupérer la paille là au juste? Voilà, pour tamer les. Ah, les chevaux. Eh ouais. Il est malin. J'en reprends un peu quand même au cas. Allez, tu es la route. T'as trouvé une... Non, il a pas. T'as tout fouillé? Ouais. Je sais pas où t'es. Je vais un peu. Tout fouillé. J'ai tout fouillé. C'est parti. Je commence Minecraft alors. Ouais, en fait, j'y ai joué un peu comme tout le monde, tu sais, il y a très longtemps. Comme tout le monde, comme beaucoup de gens, mais c'était beaucoup plus basique que ça. Donc ouais, c'est comme si je commençais le jeu. Ouais. Trop de trucs qui ont changé depuis. Serveur, non, il est hosté par MTX Serve, notre partenaire d'ailleurs pour tout ce qui est serveur de jeu. Beau. Hein? Beau. C'est beau, t'as dit? C'est beau. Ah oui, c'est beau, bien sûr. C'est une boîte française d'ailleurs qui fait du. De l'hébergement de serveurs. Ce sont des serveurs qui sont hébergés en France. Tellement de choses à faire maintenant sur Minecraft. Enfin, il y a toujours eu quand même beaucoup de choses à faire, à part au tout début, j'imagine. Mais c'est clair que c'est un jeu qui paye pas de mine si tu regardes comme ça de loin, mais qui en fait est hyper complet pour un jeu de survie et un jeu dans son style. Et qui est quand même assez unique aussi au final. Unique. Bah c'est vrai, t'as pas de t'as pas de Minecraft-like qui soit aussi complet, en tout cas à ma connaissance, en termes de survie. Ah, t'as vu sur Netflix, ils ont sorti Minecraft Story. Ah ouais? Ouais. Ah, je regarderai ça, tiens, ça peut être intéressant. Oui, ils avaient fait le jeu sur PC ou... Oui, ouais. Ouais, t'as la même chose sur Netflix. D'accord. Sur les choix que tu fais, bah, le film est différent. Ah mais si, je l'avais vu, ça buguait, j'avais pas réussi sur la tablette avec si. Ah, faut le faire sur PC ça. Ouais. Bonne nuit 07. Et tu t'es dit ça. Je suis toujours partenaire chez MTX. Ouais ouais. Oh regarde, c'est Minas Tirith, Coolbit. Je sais pas, je suis descendu. Attends, je compte. Oui. C'est le rocher de Minas Tirith. Enfin là c'est plus Minas Tibit, mais bon après chacun son point de vue quoi. Chacun sa bite. Ah ça c'est sûr. Tu vois, c'est ça que tu voulais faire? Ouais, comme ça je voulais faire. Toc. Pas tomber là hein. Putain, vas-y. On sait pas où. J'aime bien cet endroit. Bah faut descendre. On a bien fait de monter quoi en gros. C'est déjà mieux que serveurs gratuits qui sont pas fiables. Bah pff. C'est gratuit donc il faut s'attendre à un service bah, gratuit quoi. Mine de rien, host des serveurs de jeu, surtout des trucs comme Minecraft, je pense que ça demande énormément de ressources. Oh merci. Merci ma chérie. Ça demande énormément de ressources, je pense. Et bah, du coup, ça a un prix, tu vois. Mais ouais, Oufman, toujours avec MTX. J'ai toujours gardé un bon contact avec eux.
et les gars sont vraiment 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 cool. Donc voilà, surtout Minecraft c'est un peu leur corps de métier avec Garry's Mod. Donc ils ont des trucs qui sont, ma foi je trouve bien performants. Je sais pas ce que t'en penses Kouba. Oui. Mais le serveur lag pas, on a eu zéro problème. Oh, c'est un biome neige. Qui était installation et tout, ça a été hyper facile. La rivière. Ah ouais, génial, c'est Soria Bonali quoi. C'est comment il s'appelle ce patineur français là? Qui fait que des blagues Luc. Un peu hein? Luc. ouais, c'est ça. Ouais. Salut Koussa MMW. Salut. Koussa. Qui nous suit Coolbit. Il nous rattrapera pas. C'est moi, je voudrais passer. Aïe. On fait quoi? On cherche un manoir. Kouba fait faire une carte par un PNJ qui nous a indiqué le positionnement d'un manoir. Dans lequel on va trouver je ne sais pas quoi. Bon, je me laisse guider là, j'avoue. Moi aussi. C'est la carte qui me guide. Le point a bougé ou pas? Oh, fais gaffe. Celui-là, il est tout habillé, t'as vu? Il est beau. Aïe. Ouais, fais gaffe, c'est le ghetto, il y a la sorcière et tout là. Il y a de la citrouille. Appelle-moi Koussam. Ok, Koussam. Ah, tu étais là quand j'essaie de mettre les rails et de faire la dérivation. Oh, la vache. J'ai toujours pas compris d'ailleurs hein, exactement le fonctionnement de ce truc. Le Koolba il arrive et il fait ouais, mais c'est facile, tu fais comme ça, pouf pouf, machin et tout. Putain, ça m'énerve. Mini. Oh, bah, salut les OG, y'a plus. Bonne nuit. Bonne soirée. Bien fouiller le manoir. Ok, bah déjà on va essayer de le trouver. Déjà. Déjà. Parce que... Ah, je crois que c'est tombé. Vu comment c'est parti là. J'aime bien cet endroit en tout cas. Niveau visuel. Ouais. Mais oui, c'est ça. Il est arrivé comme ça, pouf pouf, genre c'est facile. Mais non, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Putain. Je t'ai perdu, man. J'ai poursuivi un lapin. Mettons ça. C'est bon, je suis là-bas. Ok, un igloo. Un igloo. Ah, ça a bougé dans l'igloo. Hein? T'as pris dans l'igloo? Ah! Qu'est-ce qu'on est bien dans l'igloo? Merde, t'es où? Dans l'igloo? Il est où l'igloo? Là, là, je saute, là. Oh putain, ouais, c'est un igloo. Mais c'est vraiment un igloo en plus. Ah oui? Lol. Mais c'est trop stylé! Putain, c'est trop bien! Je viens de croiser un cheval squelette. Ah ouais? Dangereux ça. Il a fait pop 5-6 squelettes chevauchant des chevaux squelettes. Lol. Putain, trop bon. Je veux voir ça. Appelle-moi Koussoukoussam. Et ouais, tu sais quoi? Moi, ça m'a fait penser à Couscousman. Et franchement, Couscousman, c'est un pseudo que j'aime bien. Allez. T'es prêt? Salut le dinosaure, à plus. Bonne soirée, bonne nuit.
Merci d'être passé. Est-ce que le point a bougé, Koulba, sur la map? Non, pas encore. Oh putain. Mais là, les 20 000 blocs, les 20 000 blocs, en vrai, on les a fait quand même. Et presque, ouais. On va plus être très loin. Appelle-moi Couscousman. Ouais, je pense que Couscousman, ça va rester, ouais. Si tu me permets, hein. T'as pas vu d'ours, par avec la cape rouge et tout, le collant, c'est clair. Avec la ceinture. Sur la ceinture, il y a une merguez. Merguez couscous. Ah ouais. Ouais, t'es froide. Tu m'étonnes. Oh putain, je me suis trompé. La tête dure, bonsoir, bienvenue. Alors, si t'aimes bien Couscousman, au pire, hein, tout à l'heure, on a Off-Toi qui nous a dit comment changer de pseudo sur Twitch. Hein, donc, si jamais t'as besoin, n'hésite pas. Il y avait de la lumière là-bas. Ah bah putain, là aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah putain, c'est un Enderman. Il y a un Enderman. Ah, c'est un trou. Fais gaffe parce qu'il y a des trous avec de la lave. Hein. J'aime bien marcher dans la neige. Bonsoir la tête dure du coup, comment tu vas? Ah, village droit devant. Aïe. On cherche un manoir, la tête dure. Oh, il est beau le village de neige, Coolbit. C'est trop stylé, j'adore. La petite maison en glace là-bas. Bonne nuit Tristan, à plus. Salut, salut. Oh putain, un tonneau. Vas-y, je les prends. J'ai plus de place. Excusez-moi, hein, les jeunes. Pique vos doigts, c'est faux bloc. Putain, quoi, les tonneaux. Putain, on arrive chez les gens, on leur pique toutes leurs affaires, quoi. T'es honteux. Je leur pique la maison. Ils sont encore dedans quoi. Le gars n'a aucun respect. Mais alors genre le respect ce soir est en prison les gars. Ah, ils sont dans la maison. Ah, il est sympa. En train de dormir et t'as quelqu'un qui arrive. Et qui normal te démonte la maison et te dit excusez-nous hein, c'est pour amener... Il y a aussi sur la montagne c'est bon. Normal quoi. Les autres dessus aussi, t'as vu? Ça se stack ça? Non, quoi. C'est... Et franchement, le village glace est... est vraiment stylé, je trouve. Oui, encore les limites, c'est dommage. De quoi? Les limites. Le biome. Il est limite, c'est-à-dire? Bah, il y a en limite de biome. Ah. Ah donc il est pas en... il est pas entier c'est ça? Ouais. Merci pour le pain, au revoir monsieur. Ah oui je vois ce que tu veux dire, ok. T'as pas trouvé de sel du coup? Ah, de toute façon ça pète. Ouais ouais t'inquiète. Il est rentré là? Une soupe de betterave. Putain ouais, il est rentré, j'ai ramassé tout son bordel du coup. Oula. Il est sérieux lui? Je jetterai après, parce que du coup je jette les trucs devant la porte, donc forcément je risque pas de m'en débarrasser. Par où t'es passé, man? Par où? Qu'est-ce que c'est, un fumoir? On peut... Oh, ça a bougé. Oh. Oui, presque. Nice. Il faut qu'on aille qu'à l'est. Ça c'est quoi? C'est du mur en pierre, ça? Muré de pierre. Donc 18 000 blocs qui étaient là. Maintenant faut aller à l'ouest.
pas fier de nous. Par là. Tu vois, j'ai été rouillé. Ouais. T'as dit quoi? J'ai été en haut. Ah mais c'est pas en haut qu'il faut aller? Ah mais non. Non. Je... ouais, c'est par là. Ok. I follow you. Le fumoir c'est pour la bouffe, ça la cuit plus vite. D'accord. Bah écoute. Merci chéri coq et merci Alex le noob. Merci pour vos follow les gars, bienvenue. Les gars, les girls. Les boys and girls. Bienvenue tout le monde. Merci pour vos follow. Merci Couscousman aussi pour ton follow, bienvenue. Alors Couscousman, il faut que tu sois sur PC si tu veux changer de pseudo. Et tu cliques en haut à droite, c'est sur la petite roue crampée, tes paramètres. Et de là, tu pourras éventuellement changer de pseudo. Ainsi que changer ta petite photo de profil pour te mettre un super héros avec une ceinture en forme de merguez. Pas de saucisse ? Non, merguez. C'est pas une saucisse ? Non, c'est la merguez. Merguez quoi ? Ouais. Du pain, de la moutarde, de merguez, une barquette de frites, c'est beau. Faut être sur PC. Vous êtes en folie encore ce soir. GRM Play, merci pour ton follow à toi aussi. Bienvenue, salut. Salut, merci. Salut, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Salut Azen. Bonsoir. Bonjour de la mort. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, on est on cherche un manoir. Cool. Le manoir de le manoir du cul. Et c'est pour ça que j'ai l'épée du cul. Je le sens bien là, je le sens bien. Ah, tu suis ? Ouais, ouais, je suis pas loin. En fait, sur l'application mobile, je pense que tu... le paramètre doit être ailleurs, du coup. Hein. Merci pour tous les follow. Mais oui, Poketor, c'est clair, t'as raison. C'est bien de le rappeler. Je pense qu'on arrive, là. Regarde, je vois un... T'es où, je t'ai perdu. Au milieu de l'eau. Je suis perdu, telle une merguez sans ses boulettes. Je suis perdu, Koulba. Tu es pas perdu, tu as la tête. Après, si t'es sur tablette ou quoi, ou même sur téléphone, tu peux toujours te connecter à Twitch via ton. Ton navigateur internet préféré de que tu as installé. Tu désactives l'affichage mobile et tu fais l'affichage pour PC. Ça devrait fonctionner aussi. Je pense qu'on est pas loin. Hein. Putain, il y a des tortues. Oh, c'est mignon. Tu te souviens, au tout début de l'aventure, j'avais essayé de les tuer et le karma m'a rappelé à Londres et m'a dit non, non, non. Oh oui, on est pas loin là, je le sens bien là. Merde, on arrive dans un biome dark. Tu le sens là ? Oh, je le sens. Je le sens bien. Ouais ? Attends, regardez à la butte si on le sent bien. Ah, tête dure, il a réussi sur mobile. Paramètres, tu cliques sur plus de paramètres. Et ouais, toujours plus de paramètres, les gars. Est-ce qu'on se prépare? Et après, quand t'es dans plus de paramètres, tu cliques sur encore plus de paramètres. Et après, là, il y a ce qui paraît, tu trouves. Vas-y, hein, si tu veux, je te regarde. Pas de bois, t'as du bois? Non, mais ça va pas être compliqué à trouver. Putain, si on avait des arbres comme ça à côté de chez nous. Mais il faut récupérer des graines. Attends, non, c'est des spéciaux ceux-là. Oh, Chita. Chita, c'est le raid carrément. À coup de banane. Qu'est-ce qu'ils ont tous à raid à coup de banane? Oh lolololo. Chita TV. Non, mais de toute façon, Chita, je te parle plus.
De où, d'où tu viens sur mon stream, dans le chat de mon TS, hein? Mon TS, ok? Pour piquer mon Koulba. Non mais franchement, putain, je vous jure. Salut tout le monde. Merci Nous, merci Clark pour les follow. Merci Jason pour ton follow. Jason, Cristiano Ronaldo, bien sûr, CR7. Salut. Salut Ace Vismog, Honoria, salut Gasoline, Tony. Eh ben c'est parti, allez-y spammer les gars, c'est gratuit. Merci mon Tita, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est toi ? Bah c'est bon, j'ai récupéré une pousse de chêne noir. Peut-être que tu peux pas faire un bateau avec ça, Coolbit. Oh mais tu peux, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Alors, bien sûr, balancez-lui des bananes. Bien sûr, Tony, merci pour ton follow. Laura, merci pour ton follow à toi aussi. Attendez, je tombe les lunettes. Hop, je remets les cheveux. C'est bien, man. Voilà, bonsoir, bonsoir, merci. Je suis coincé. Je suis coincé. C'est bon, on est décoincé. Merci pour toutes ces bananes, les gars. On va se faire des milkshakes. Je pense qu'on est bien là. T'as dû conduire. Maxime, merci pour ton follow. Comment ? Combien de bananes ? Bah, je sais pas, vu donné, je dirais 300-400. Bon, je vais remettre les lunettes, hein, parce qu'avec la lumière dans la gueule, ça fait mal aux yeux. Ah, ça va mieux. Bon, bonsoir à tous et à toutes. À toutes. Oh ! Rana Templan, 100 bits, je livre Chita toutes les 15 minutes. Perso, je livre Chita toutes les 15 minutes. Comment ? Comment ? Comment ? Merci en tout cas pour tes 100 bits, merci beaucoup. Un village viking. Et donc bienvenue à toutes et à tous. Oh, il y a un port, viens, c'est un port. Incroyable, bien sûr, on joue roleplay. Oh putain, mais c'est trop beau ici, Coolbat. Faut qu'on déménage, hein. On va venir habiter ici, je m'en fous, on refait la ferme à XP et tout. Donc nous sommes sur Minecraft sur lequel Chita aurait dû venir avec nous, mais le gars 3 jours avant, par contre, c'est embête, si Minecraft ne vient pas, je vais faire du PVP sur Ark, de toute façon j'ai pas envie de jouer avec toi. Alors je lui dis bah non, par contre bon bah moi je vais le faire, tu vois. Rana Templan qui sub, merci pour ton sub Rana Templan, merci beaucoup. Et donc on s'est lancé dans une aventure vanilla avec Coolbar. On a ouvert un serveur à la communauté d'ailleurs qui est disponible et joignable, hein, pour tous les gens, les viewers assidus d'Immersive TV ou éventuellement ceux qui sont abonnés à Immersive TV sur Twitch. Bien sûr, sur Minecraft, hein, vanilla. Oh, petit bébé chien. Oh, regarde. Petit bébé toutou. Oh putain. Oh, c'est devenu Dark Toutou, quoi. Il a eu les yeux injectés de sang. Il avait envie de te bouffer, quoi. Oh, il grognait tout. Je te laisse te débrouiller. Hein. Ah, on dirait, c'est quand il court. Et donc. Là, nous sommes donc en Minecraft Vanilla, le but c'est de finir le jeu, en gros tuer l'Ender Dragon quoi. Et là on est à la recherche d'un manoir, ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien, moi je découvre. En compagnie de Coolba et de plein de monde. La Kékette Army. Et parce que Chita fait courir des légendes sur sa Kékette, il a déjà dû vous en parler. Moi je l'ai vu en vrai, Chita hein, pas sa Kékette. Et tout est faux. De toute façon, en même temps, pour la voir. Ouais, c'est ça. Tout est faux, je vous le dis. Hein, c'est du flan. C'est full du flan, quoi. Donc, je sais pas ce qu'il vous a raconté, mais ne le croyez pas. De toute façon, une règle de base, c'est n'écoutez pas trop ce qu'il vous raconte. 90% que ce soit du flan, quoi. Mais sinon, moi, je l'aime beaucoup, Chita, c'est mon copain. Bien sûr. C'est bon, le flan. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai comme carte graphique ? Ah, il y a une jungle. Putain, hey, y a un truc sur l'arbre, c'est quoi ? Sur l'arbre ? Ah, c'est un fruit, je crois, ça. Là-haut ?
pouces de chaîne. Attends, ça, je vais le jeter. Attendez, parce qu'il faut que je me concentre un peu, là. On va la jeter, ça aussi. On a des patates, on s'en fout. La morue, on va la jeter. Pas patate. Il faut qu'on ramasse une pousse d'arbre de la jungle, Coolbit. Ouais. On va ramasser 4, alors. Salut, Dessouille. Comment tu vas? Des arbres de la jungle? Je sais pas comment t'as pu ramasser... Vu comment je tape, regarde, t'es où? Tain, man, t'es où? T'es où? T'es où, man? Ah, t'es là. Oh, on peut escalader dessus, c'est trop bien. Je vais prendre la carte. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as pas tapé? Ouais. Aïe, arrête. Je vais prendre la carte. Là. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, c'est du cacao, ça? Putain, nice. Attends, j'ai ramassé. Non, je vois pas. Ah, tu vois pas l'animation? Quel dommage. Non. Je vois pas. Ah, putain, ouais, du cacao, trop bien, on va faire du chocolat. Viens, viens, il y a un temple, je crois, non? Ah non, c'est un arbre. Attends, faut pas qu'on se perde là, parce que la jungle, c'est touffu. Ah bah oui. Tu la lives 10 fois. Aïe, mes gars. Aïe, raté, aïe. Tu vas mourir. Allez. Jamais. Attendez les gars, je sors. Oh putain, regardez. Regardez tout ce cacao qui nous tend les bras là. Je sors l'épée du cul, les gars. Vas-y, roule ma poule, roule. Je crois qu'on tourne en rond là. Je... On est bon, c'est la bonne. Oh, perroquet. Oh. Putain, c'est quoi ça, Coolbit? Un genre de... Non. Tu peux l'apprivoiser, sûr. Un genre d'immense... Ah. C'est le bambou, c'est ce qu'on utilise. Ah d'accord, ok, super. Là, il y a un perroquet, t'as des graines? Oh putain, il y a un perroquet. Des graines de quoi? Blé. De blé? Non. Et toi? Sortie d'herbe, par terre. Putain, j'en ai ramassé ou pas? Graines de blé, 2, ça devrait pas suffire. Vas-y, je le veux. Salut, toi! Tiens. Ah putain, t'en veux encore, hein. Forcément, t'en veux toujours plus. T'as encore des graines? Non, et toi? Ouais. T'as réussi à l'avoir, le tien? Non, j'ai pas de graines. Tiens, mon beau. Putain, mais t'es gourmand en plus. Je sais pas où t'es, hein. Bah, c'est bon, nous. Faut être loin de toi. Oula. Ouais. T'as pas pêché de la graine, toi. C'est une problématique, ça coule vite. Je vais aller en face, il va plein de graines. Non mais il se fout de ma gueule lui, attends, en fait il a compris, il s'est dit tiens tiens tiens. Je vais lui laisser m'apporter plein de graines. Je rêve. Tiens. Allez, fais un effort mon grand, t'es sûr que c'est des graines de... Et si je lui file du café, ça marche ou pas? Bonne question. C'est dingue. Des yeux d'araignée. Tiens, non, ça t'aime pas. Une pomme? Te bouffe-moi l'œil. Il aime pas les pommes, ce con. Et j'entends une araignée, je crois d'ailleurs. Ça marche pas. Ah non, c'est lui qui refait le bruit. Ah, tes souhaits! C'est lui qui refait le bruit de l'araignée. On va voir, moi je vais la voir. C'est dingue. En tout cas, merci Cheetah pour ton raid, merci à la Cheetah Army pour ce déplacement bon. Ici. T'as noté les coordonnées? Moi c'est 1200. Attends. Dans ton raid la prochaine fois. Ok micro, enregistre les coordonnées. Non, même j'abandonne pas. Hein.
Ah non. Il y a un bout de pain, non? Ça mange pas le pain, les perroquets? Dis-moi ton pain. Oula, regardez, il y en a plein là. C'est con parce qu'à la maison on avait plein. Si on m'avait dit que j'allais croiser un perroquet. Vas-y, mais c'est une putain de blague. T'es sûr que c'est des graines Ah, il me semble. Je crois qu'il mange n'importe quelle graine, mais surtout pas du cookie, sinon il meurt. Oh, putain, sérieux? C'est chaud ça. Ah, oh, vas-y, si c'est toi qui l'as, je pète un plomb. Ça marche pas. Quand tu veux un morceau de pain. Le bout de pain est plus recolli, tu sais. Ça risque que pas de marcher. Une torche dans ta gueule. Putain, je suis tech. J'aurais tellement aimé avoir un perroquet. C'est une perruche et pour que ça marche, il faudrait qu'il te fasse des cœurs. Bah ouais, je sais. Quelle est la différence entre un perroquet et une perruche? Du coup, j'entends un truc, je suis plus en jeu. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'approche de moi. Est-ce que quelqu'un saurait m'expliquer quelle est la différence entre un perroquet et une perruche? La perruche, c'est ce que tu mets sur la tête quand t'as plus de cheveux. Je sais, je fais exprès. J'ai Vixie à côté qui me dit la perruque. Ah mais il me suit. Quand je vous dis qu'il a compris, qui c'est qui lui filait à bouffer? T'en mets un autre? Ah, j'ai goûté, hein. Non, c'est le même. Ah, ouais. Ça a pas le même nom. Ah, c'est ça? Ah ouais, putain, c'est pas le même. Putain, j'ai commencé à en nourrir un autre. Leg. Alors là, vous vous dites, mais les perroquets, ça sert à quoi? Bah, à rien. Mais comme tout ce qui est inutile, c'est hyper important. On fera au retour. Hein. Attends. J'ai pas dit mon dernier mot, couloir. Allez, c'est incroyable ce soir. C'est moi ici. C'est mes graines. Dingue, je vais aller chercher en face là. Ils avaient... Tout qui explose. Donc toute cette belle mission qui vira au drame lorsqu'ils croisèrent des perroquets. Ouais, perroquets. Ça fait une petite tuile. Ah, et les poules elles veulent que je leur file à bouffer aussi, mais non. Attends toi. Ok, bon, ils étaient où les perroquets? Je crois qu'ils étaient là-bas. Oui, moi je vais leur filer du cacao. J'ai essayé, ça marche pas. Je peux le buter. Bah non. Pas une cage? Comment on fait une cage? Pour endormir, fais des flèches, narco. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça y est. Il est à moi. Oh non, comment je le prends sur mes épaules? Tiens, donne Comment? Donne les graines. Vas-y, donne les graines, donne. Donne les graines. Donne-moi tes graines là. Merde, putain, comment je le prends sur l'épaule? Clic droit. On va faire shift et clic.
Mais attends, est-ce qu'il est vraiment à moi? Bah oui, il me suit. Qu'est-ce que c'est moche quand même. Sors de l'eau mon grand, viens. Ah ouais, oh, c'est énorme. Comment on fait pour se voir déjà en trois quarts? Comme ça. Oh c'est énorme. Oh c'est trop. Oh putain. Oh c'est énorme. C'est parti les autres. Il siffle et tout quoi. C'est génial putain, c'est génial. Vas-y on se casse. Il est où l'autre? Bah ils ont disparu. Là là là. Non c'est... C'est le tien ça. Remonte. Oui alors le perroquet c'est très chiant parce que quand tu descends il saute de ton truc. Quand tu montes ça va. Comment j'ai fait pour le prendre sur mon... Comment ce truc? Comment j'ai fait pour le faire monter sur mon épaule? Faut avoir la main vide, non? Et surtout, rappelle-toi, jamais de cookies. Ouais. Et merde. Et déjà, j'aimerais bien le... J'ai réussi tout à l'heure, pourtant, c'est bizarre cette histoire. Bon, vas-y, c'est full débile. Allez, viens, on s'arrache. Non, sérieux. Eh bien, c'est par là. T'arrives, je sais pas combien il lui en faut. La perruche, moins sensible au stress, au changement, il y a la non-affection, bec plus fin, corps plus effilé, intelligence moins prononcée, cri strident, gazouillis du perroquet plus sensible à tout notre comportement humain. Bec plus gros, corps plus trapu. Ouais, d'accord. Bon, en gros, ok. Quand tu vas dans l'eau, il tombe, mais te suit. Va sur lui, ouais. Et après, je fais quoi pour le prendre sur mon épaule? Contrôle? Contrôle shift? Putain, merde. Vas-y, les gars, il faut que je le laisse tranquille parce que. À force de taper dessus, je vais finir par le tuer. C'est toi? Ah, sur lui! Attends, je crois que j'ai compris du coup ce qu'il voulait dire. Koulba, j'ai perdu mon perroquet. Derrière toi. Ah ça y est, je l'ai. Ah oui d'accord, ok. J'ai compris. Merci mec, tu gères. Merci Choupinou. Mec ou pas mec d'ailleurs hein. Mais tu gères en tout cas, merci beaucoup Choupinou. Mais oh, c'est pas un cadeau par contre hein. Mais garde-le en follow. Mais non, je te dis, à chaque fois que tu descends, en fait, il va sauter. Bon, je sais pas où t'es, coup de bête. Droit. Ouais, t'es par là. De toute façon, c'est comme le chat ou les trucs comme ça, il te suit, il se TP à toi à chaque fois. Oui. Ok. Il y a des grands bambous, là, c'est stylé, ça. Oh, mais comment t'as fait pour passer là? Let's go. Bosse pas demain toi? Mais si. Ah, il va falloir qu'on tarde pas trop du coup. Ouais. Donc pour vous resituer le truc, encore une fois, là, on est en train de chercher un manoir. Oulba, une carte. Tiens, d'ailleurs, tu peux me filer la carte comme ça, je montre aux gens. On a rebougé là. Ah, c'est stylé ça. Donc, on a une carte. Ah, mais d'accord. Moi, quand tu m'as dit, ouais, on arrive, le point il a bougé, machin et tout, ah ouais, je m'étais mais dit. Il a rebougé là. On était au milieu de la carte et on est rebougé. On est affiché sur la carte quoi. On était au milieu. Le trait sur le côté, t'es arrivé pratiquement au milieu. Quel trait et sur le côté? C'est quoi ces traits qu'on voit sur la map? Bah c'est le relief. Hein? Je pense que c'est la mer. Le mec qui a dessiné la map, il était bourré, il s'est dit putain vas-y alors attends, par là, comme ça. Elle est bizarre cette terre. Eh il est hyper stylé ce biome en vrai. La jungle ouais c'est sympa. Hein. Ouais. Pour traverser, c'est chiant. C'est clair.
Donc on cherche un manoir, manoir dans lequel eh bien on va trouver je ne sais pas quoi. Bon, pourquoi on veut trouver un manoir derrière Koulba? Eh ben comme ça, c'est joli à faire. Ah d'accord. Il y aura plein de trucs dedans. Bon. Ok. Tu vas faire ta maison. Les traits c'est les limites entre terre et mer. Pas sûr à 100%, d'accord. Il y a... Oh Tidrou! Salut Tidrou! Je suis là. C'est un peu compliqué, mais je suis pas loin, ouais. Tidrou qui claque son resub. Y'a un tigre. 10e mois d'abonnement, mon Tidrou, merci beaucoup, mon cher Tidrou. Oh, y'a un tigre, fais gaffe! Oh, y'a un tigre! Tu vas manger mon perroquet? Ah ouais? Oh, c'est quoi ce bruit? Merci hein, Tidrou pour le 10e mois de sub, merci beaucoup, merci à toi. Vous le savez, en plus de votre présence, le sub, c'est la plus belle façon de soutenir Immersive TV. Voilà, donc merci beaucoup Tidrou. Ce n'est en rien obligatoire, mais... Oh, je suis pas. Ouais, 2 secondes, je discute avec le chat. Mais le soutien est fantastique. Voilà. Aïe! Tombé! Tombé où? Vas-y, c'est galère là. You man? Là, j'étais tombé. Ouais, c'est parti, on lâche pas l'affaire. C'est un léopard, mais dis-moi Sakura, t'as un bac plus 5 animalerie ou comment ça marche? Alors la différence entre un léopard et un tigre, le tigre est plus social, a les pattes peu fines que le léopard. Le léopard a des petits points. Le léopard fait gros gros et le tigre fait gras gras. Mais... On va foutre le feu, ça va plus vite. Oh le con, il a foutu le feu à la jungle les gars. Mais ça, ça peut se répandre après non? Oh ouais, à part que t'as pas. Est-ce qu'il y a un truc à la Rimworld où quand ton quand le... Le biome est carrément en train d'être dévasté par le, ouais, le feu. Tu peux mais avec le feu, si tu l'actives. Oh la pluie arrive. Doit pas être loin, là. Oh. Doit pas être loin, là. Regarde la carte. J'ai la carte, j'ai la carte. Non, on est pas loin. Oh, Sakura, tu boudes. Allez, man, cours. Je cours, je cours, je cours. Dis-toi que je joue en regardant l'écran une fois toutes les 10 secondes, donc c'est pas facile. Je cours quand même. Je cours quand même. Et je fais le boud. Oh, je peux passer. Où? Je suis sur la canopée, cool bête. Je suis sur la canopée, en dessous. Ouais. Le montagne. Truc c'est que je sais pas trop dans quel... Ah tu longes là avec la montagne à ta gauche? Oh pitié. La montagne à gauche là. À droite plutôt. Je vois un bouton. La montagne à ta droite? Il y a une petite butte. Putain, il y a plein de moutons. T'es sûr qu'elle est à ta droite la montagne? Oui. Chose qui ressemble à une montagne, c'est une montagne. Je monte dessus. Oh, putain, on s'est perdu. Là où est la montagne? La petite montagne, pas la grosse. Mec, on s'est perdu. Hein. Arrête d'avancer. Je prends de la hauteur. T'es en dehors des arbres là? Bah, j'essaie de remonter en haut des arbres. Bah, vas-y, fais ça, on va se retrouver, je pense. Que tu vois un champignon? Je vois plein de champignons. Je vois les moutons sur les arbres.
Des moutons sur les arbres. Ah, non, c'est un mouton que j'ai vu. Pas de moutons sur les arbres, non. C'est pas parti dans le bon sens, alors. Moi, bon, la montagne que je vois, elle est un peu coupée au milieu, genre. Alors, donne-moi tes coordonnées, c'est le plus simple. Moins 6... Putain, on est allé tellement loin. Moins 6894 et 18109. Parti loin, quoi. Bah non, pas si loin que ça. Oui, moi, je suis à moins 6800. Ça va, une centaine de blocs, c'est rien. Ah oui. Je pense que t'es là-bas. Et parce que j'ai couru sur la canopée, donc je suis allé beaucoup plus vite. Toi, t'es à 6800, tu dis ? Là, je suis à 6870. Ah, t'es là. Bah, tu vois, on est juste à côté. Ok. Alors ? On est pas loin, on est pas loin. Ah, je crois que le perroquet est mort. Oh. Ah non, ça va, il est là. Il a fait un petit... Mec, ils ont fait le perroquet, quoi. Ah, c'est passionnant, en tout cas, Minecraft. T'es en cours pendant des heures. Bah, c'est pas à côté, à Manoir. Hein. Il a pas de non, c'est hein. Clair. Il a foutu loin, hein. Enfoiré. En même temps, vu qu'on est tous les uns à côté des autres sur la map, si tout le monde a fait la même chose... Du coup, le manoir il a du spawn, mais si c'est un manoir par personne. Ouais, c'est clair, on n'est pas loin, c'est une phrase qu'on entend depuis une heure, quoi, presque. Oh, comment c'est pas. Et c'est quand qu'on arrive. Bientôt. J'arrive. Il y a quelqu'un qui se traîne, hein, alors. C'est ce qu'il te dit, celui qui se traîne. Qu'est-ce qu'il dit ? Et paf, je te tombe dessus. Qu'est-ce qu'il dit ? En même temps, c'est toi qui as la carte, donc forcément, c'est toi qui sais où on va, quoi. Ouais. Ah ! Le petit point s'est décalé. Le pire, c'est qu'on n'est toujours pas affiché dans la carte, on est toujours sur les extérieurs de la carte. Donc on est, s'il faut, encore bien bien loin, quoi. On se rapproche, on se rapproche. C'est ça, Tidro. C'est exactement ça. Regarde, il y a la mer. La fameuse. La fameuse mer. C'est bien, après le temple aquatique, il est où? Bonjour monsieur, excusez-moi. Oh, il est tout rouge, je le regarde. Oh, jaune. Ah ouais, il est beau. Ah, le perroquet est mort, je crois. Ah oui, le perroquet a tanké une flèche. Ah bah celui-là aussi. Le perroquet est mort, je répète. Je récapépète. On a bien fait de le tamer. Hein. C'est pas... Tu t'obéisses plus, Oufman, fais gaffe, hein, ça peut être dangereux, je te conseille de les attacher parce que tu sais, ça peut finir à un endroit, t'as pas envie, quoi. Oh là, lui, faut pas le regarder. C'est bon, je l'ai. Mais là, lui.
Le mec en 3 graines, il a chopé son perroquet. Putain, ça me dégoûte. Rip, ah, c'est ça. Tant pis. Hein. Oh man, reste là. Pour une fois, c'est pas Coolback qui aura buté mon animal de compagnie, donc. Quoi ? Comment ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah, tu te fais un bateau ? Fais voir la carte, s'il te plaît. J'ai envie de check un truc. Thank you. Ah oui ! Bah, c'est bien. Comment ça va rapprocher là ? Il y a plus qu'à aller plein ouest. Tu vas faire quoi, un bateau ? Oui. Tiens. Oui ? Ouais, vas-y. Là, je peux voir la carte. C'est bon ? Oui. Ouais, c'est un tout droit, tu longes. J'imagine qu'on va par là. Ouais. Ouais. Ça reload, dit Marie, bye bye. Bonne chance à Coolback pour te supporter. Ah ouais, d'accord. Bah attends, et moi, tu crois que quoi ? Il faut que je le supporte aussi. Hein. Comment ça ? Comment ça ? Merci d'être passé en tout cas. Bonne nuit. Pour le perroquet, on ira en chercher un autre, tant pis. On est coincé là. On va faire le tour par ailleurs, je pense. Ah, peut-être pas. Ah, si. Bon, bah on s'arrête là. Gaffe, il y a des creepers partout. Hein. On a avancé un peu ou pas ? Ouais. J'espère que ça vaut le coup le manoir en tout cas, parce que si c'est pour arriver et que... On est pas loin là, on est pas loin. Aïe. Aïe. Et une heure qui dit ça. Bon, je vais plus courir sur les arbres, parce qu'il arrive pas à sauter sur les arbres, c'est trop compliqué, donc je vais rester bien derrière. Parce qu'en plus c'est grand, il y a genre quasiment rien dedans, ça vaut pas le coup. Ah ouais. Lol. Moi on l'aura fait. Oh. Village. Village toi le dernier. C'est un village maudit. Ah. Il est habité par des squelettes et des zombies quoi. Cher longtemps, très longtemps. Oh. Il me fait peur le perroquet à chaque fois. Bon, ouais, ça va, c'est comme perroquet. Parce que là. Je le sens bien, après la colline. Là,
Ce que vous dites pas, c'est que bon, bah c'est bien le manoir, machin et tout. On aura galéré pendant 3 heures à marcher pour y aller. Mais ce que vous vous dites pas, c'est qu'il faut rentrer après. On fera pas le nether. Ah bah ça c'est sûr, mais il faut quand même rentrer quoi. J'ai mal aux doigts. Allez, tu lises ton. Hein? Ah. Voilà, on peut pas la dupliquer la carte? Oui, il est pleine. Non. C'est là qu'il aurait fallu faire le bateau. Mais comment il fait pour courir plus vite que moi? Je vous le dis, il cheat. Non, je cheat pas. Ouh, c'est doux. Eh ben, écoute. Hein. Bon, sinon, ça va, Koulba? Tout va bien? Ouais. Et vous, les gens dans le chat, est-ce que vous êtes allés voir un peu la dernière vidéo sur Arc? Point d'exclamation IMTV dans le chat, bien sûr. C'est à voir, franchement c'est à voir. Et il y a plein de vaches. Je rase le sol. Sûrement pas, Rana. Bah écoute, tu sais pas ce que tu perds, tiens. Si tu rases le sol, tu vas plus vite. Bien sûr que tu l'as vu. Eh bah oui, des souilles. Et Lucas aussi, c'est bien, ça fait plaisir ça. Ah bah je suis mort. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis mort. Directeur. T'es où? Droit. Tu vois plus, man. En tout cas, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à la chaîne YouTube si jamais vous connaissez pas. Éventuellement, vous pouvez regarder les vidéos. Vous mettez des petits pouces bleus. Voilà, parce que ça fait plaisir. Et vous savez quoi d'ailleurs? Tiens, je pense que ça va être difficilement réalisable, mais j'ai un rêve complètement fou. I had a dream. J'ai le rêve qu'on claque les 100 000 abonnés cette année en 2020 sur Immersive TV. Ça serait magnifique. T'as rêvé d'une banque? Non. Par contre, la banque, elle rêve de moi en ce moment, je peux te le dire. Donc, si jamais vous n'êtes pas abonné sur YouTube, n'hésitez pas, parce que déjà, ça fait plaisir. Parce qu'il y a des petites vidéos qui peuvent vous plaire. Je sais pas, on sait jamais. Sur toutes les vidéos qu'on a pu faire, il y en a peut-être une ou deux qui vous plairont. Vous pouvez chercher. Il y a une série, Arc Wars d'ailleurs, qui pourrait vous plaire. C'est peut-être ce que j'ai réussi à réaliser de mieux jusqu'à présent. Et donc, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas aussi à vous abonner, donc, et à partager même éventuellement la chaîne à vos amis, à vos connaissances, à vos proches, parce qu'il faut faire péter les 100 000 abonnés. Ce serait juste, mais alors juste énorme quoi. Que je suis fier de mes Apex Spino. Ben non, pas plus que ça, je suis un peu déçu. T'es perdu, coup bête. Ouais. Je suis un peu déçu, ça tape pas très fort, quoi.
Mais bon, c'est des spinos, donc c'est bien. Tu vois pas, Coolbat. Coolbat. Ah, je suis en dessous. Enfin, tu es en dessous plutôt. Où la rivière? Non, mais je suis là. Célestial, ce serait parfait, Tidro. Mais j'aurai. Hein. Je l'aurai le Célestial, Spinal. J'ai vu un Tilacoléo Célestial aussi tout à l'heure. Hein. Casse du cul, ça. Hein. Après, il n'y a pas de Celestial Pino aussi? Si, il y en avait? Je me souviens plus. Putain, j'ai oublié. Ah ouais, il y en a. Ouais. J'ai eu peur de ton mouton. Ah, bah, c'est normal, des souilles. On a fait mal? Ok, où? Ouais. Ah, on est pas loin là, je le sens bien là. Manoir, Florian. Tu le sens, là? Pas du tout. Comment ça, pas du tout? Pas du tout. Comment ça? Eh ben, pas du tout. Oh! Des bits. Rana. La bite. En plus de ce chiffre, il faut aussi regarder YouTube. Ah bah bien sûr, Rana. Merci pour les 100 bits. Merci beaucoup. La montagne. Bien sûr, parce que quand tu t'es bien fait chier sur le stream et que le stream s'arrête, c'est un désert. Tu vas sur YouTube et tu vas te faire chier sur YouTube, tu vois. Pendant des heures et des heures. Hein? Oh, un désert. On va voir le temple. Oh putain, ouais vas-y, alors attends, il est où? Pourquoi il court plus mon perso, putain? C'est le même genre de délire que l'ancien? Oui. Avec celui de la dernière fois? Alors, la dernière fois que je suis rentré dans un truc comme ça, je suis mort, les gens, donc préparez-vous. Ce qu'il faut, c'est pas aller sur la plaque au milieu, quoi. Enfin, tu la casses, ouais, quoi. J'ai bien compris, ouais. Cassé, c'est bon, je l'ai cassé, tu peux descendre. Ouh. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Putain, je suis rempli de trucs à la con. Et les selles. Des chevaux. Il y avait des trucs bien sinon? Des selles. Tonneau, du chêne noir, ça je vais le poser. Pousse de chêne. C'était le chêne qu'on voulait garder? Non, c'était le chêne noir. Ça je vais le poser aussi. Vas-y, les pommes, je vais les virer. Quoique non, je vais garder les pommes. Ça je dégage. On va mettre là. La dirt aussi. Un peu mûr. Bon, t'as fouillé les trois autres? Ouais. J'ai pris que les seuls, mais la dirt. Ici. Ça marche pas, ça? On peut pas activer la TNT avec une... Une flèche, non. Ah merde. Redstone ou... Redstone. Dommage. Tu devrais prendre la TNT. Non, je préfère pas prendre la TNT. Je m'approche pas, ça explose. Je sens que je vais mourir.
Ah, il faut 4 pouces de chêne pour pouvoir en faire pousser un. Merde. Oui. T'en as récupéré toi, Colbit? Ouais, j'ai pris 4. Ah. Bon, du coup, je la jette. Ah, t'en as pris qu'une? Ouais, je savais pas. Ça me prend un set de plus. Ouais, mais tu sais, manipuler les explosifs, je le sens moyen, donc je préfère pas tenter le diable. Enfin, en fait, on aurait été plus proche de la maison, je me serais dit, vas-y, c'est bon, je le fais. Mais là, non. Clairement, non, quoi. La mort serait trop cruelle. Et la savane, notre droite. Merde. Attends, parce que je me suis arrêté. Tu sais, c'est principe de précaution, quoi. Je crois qu'il y a encore... J'arrive même plus à parler, ça y est, il commence à être tard, quoi. Je crois qu'il y a encore un temple tout droit, Colbit. C'est un puits. Ah, c'est un puits. Ah, il y a un village. Et si on s'arrêtait à ce village, mon cher Koulba, non? Pour la nuit? Ouais. On s'arrête chez les villageois, du coin? On reprendra au prochain stream, hein. Allez. On est où par rapport au... Fais voir la map. On est plus très loin. C'est-à-dire, plus très loin. On va dans une maison, on va se faire sniper. Avec elle. C'est un peu le ghetto quand même. C'est quoi ce village de merde? Il y a une belle maison là. Salut PDNG. Oh, putain, j'ai cru que t'allais dire autre chose quoi. Salut PD. Ah, merci hein. Salut. Ah, le perroquet par contre. Bien toi. Alors fais voir un peu. Ah bah ouais, laisse tomber, hein. Je t'aurais bien dit vas-y on continue et tout, mais laisse tomber, on fera demain. Voilà, enfin, en tout cas pour le prochain stream. On est sur la bonne ligne, voilà, faut trouver la verticalité. Ouais. C'est loin hein, putain. On doit plus être loin là. Ouais mais bon, on est ça reste quand même hyper loin quoi. Bon, je dis au revoir aux gens, YouTube ouais. Pour cette rediffusion, bisous, bye bye, salut, à bientôt, merci, au revoir.